bien, salut à toutes et à tous, c'est Radon92. Aujourd'hui, je vais faire un petit commentaire live, sur une mission possible que un abonné m'a proposé. Donc, c'est d'avoir les chiens, ou en tout cas, avoir un ratio de 3 minimum avec le H41. Donc, pour aboutir à cette mission possible, j'ai dû tester l'arme dans différentes parties en MMO et j'ai constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de balles. Et donc j'ai dû prendre PIA. Donc là vous pouvez voir que je tire avec mon CZ75 tir rapide en l'air pour annoncer le commencement de la mission impossible. Bah comme la précédente mission impossible en fait, avec avoir le chien au couteau balistique. Alors, je vais pas beaucoup parler du gameplay parce que j'ai un certain nombre d'informations à vous faire parvenir. Alors tout d'abord, vous pouvez constater une meilleure qualité de vidéo. Donc celle-là elle est en HD, c'est mon plus avec mon caméscope que je filme. Donc je n'ai pas acheté d'HDPVR, c'est un ami qui me l'a filmé. Et cet ami, c'est, vous savez bien, c'est Rafi Cocotte. Donc je vous en remercie, merci Rafi Cocotte de m'avoir filmé cette belle partie. Et voilà. Une autre information. Je vais faire un walkthrough sur le jeu Assassin's Creed Révélation. Un walkthrough, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de... Comment dire? C'est le fait de jouer à un jeu en faisant la vidéo, en faisant des vidéos sur le jeu en entier. Donc voilà, je vais faire un walkthrough sur Assassin's Creed Révélation, donc ce sera à partir, je pense, de... Je veux dire, je dis ça comme ça, mais je pense à partir des vacances d'avril. Et je pense que ce sera bon. Puisque je vais acheter un HDPVR. Oui, donc je vais acheter un HDPVR, donc ce sera un AverMedia Game Capture HD. Il n'y a pas besoin d'ordinateur avec, c'est ça l'avantage. Et de plus, d'après les sondages, la qualité vidéo est meilleure qu'un HDPVR au pas de comme ça, au pas de la GPVR normal on va dire. Donc voilà. Ouais, là je suis en train de faire un 4-0. Malheureusement je vais mourir une fois. Donc ce sera là. Ensuite, en octobre, vous savez bien, il y a, le jeu Assassin's Creed 3 va sortir et je vais être un des premiers à faire le walkthrough. Donc j'espère pouvoir faire le walkthrough d'Assassin's Creed Révélation quelques jours à l'avance pour pas que d'autres youtubeurs prennent ma place. Mais bon, ça, c'est pas grave si ils prennent ma place. Je ferai le walkthrough pour vous. Donc maintenant je pourrais vous parler du gameplay, j'ai terminé de dire les informations. Concernant les atouts, j'ai pris pillard, donc vous savez bien pourquoi, il n'y a pas beaucoup de munitions. J'ai pris triple. Ils étaient tous zéro, j'ai bourriné. Surtout que dans un chargeur il y a 60 munitions, donc alors je peux faire la fête pour la tuer, j'ai tiré n'importe où dans le fond. Et j'ai mis 3 au final. Bref. Concernant les atouts, je disais. J'ai pris pillard, donc vous savez bien pourquoi. J'ai pris viser soulier parce que le temps de viser l'ennemi m'a déjà tué. Puisque l'arme est extrêmement lourde. En même temps, c'est une arme lourde. Hein. H41, Africa et compagnie.
Malheureusement, il n'y a pas de séance seule dedans. Sinon, je pourrais faire un meilleur carnage. Mais j'ai quand même explosé le rasso. Je vous le dis directement. Je vous ai spoilé un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Mais je vous dis pas combien de rasso j'ai mis. Mais j'ai explosé le rasso. Donc là, j'ai les chiens. Et là, je tire le coup d'arrêt. La mission impossible. Et donc là, j'étais tout content. Vous pouvez voir, je vais tirer partout, je pense. Ouais, voilà, je fais des 3D, je suis content. Je fais le kangourou, je tire n'importe où. Et en plus, il n'y a personne qui m'a tué. C'est plus surprenant. Personne qui s'est dit, oh, il y a un point rouge ici, je vais essayer de le tuer, tout ça. Bref, à partir de là, je vais essayer de faire un petit carnage. Donc, je sais pas, je suis à combien de victimes pour l'instant. Ce que je sais que c'est que je suis mort une fois là pour l'instant. Et ça va pas changer. Comme je vous spoil. Alors, cette vidéo est aussi faite pour boucher le vide de vidéos qui est en manque. En fait, c'est parce que mon ordinateur est maintenant vieux. Et pour faire parvenir la vidéo qui est dans la cassette du caméscope, un temps monstrueux pour pouvoir l'uploader sur l'ordinateur, ensuite le convertir et ensuite faire le rendu et ensuite pouvoir l'uploader. Ça prend un énorme temps. Donc là, le match avant par équipe est en train de se terminer. Le match avant par équipe est en train de se terminer. Et... ah oui. Concernant les Q-Strike, j'ai mis avant spawn. Donc pour pouvoir faire... pour pouvoir avoir la position des ennemis, non ? J'ai pris quoi d'autre? Blackbird. Donc pareil, hein. Avoir la position exacte des ennemis. Ainsi, bah, que les chiens. Donc, bah, pour pouvoir faire un petit carnage. Donc, à savoir, Anoa n'est pas une map que j'apprécie énormément. J'aime pas trop les maps qui sont dans les menus. Bon, bah, voilà. Donc le match avant se termine sur 7500 à 3400 et vous allez voir mon ratio ainsi que mon score. Il arrive 3, 2, 1. Donc voilà, je fais un 28-1. Très beau ratio de 28 alors. J'avais une bonne connexion ce jour-là. Ouais. Ouais, j'étais niveau 28 prestige 6 ou 5, je sais plus. Et donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.